Je crois que c'est la première fois en France que les rôles principaux d'un spectacle musical sont confiés à des enfants. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 10 ans et je joue le rôle de Paul. Moi j'adore chanter, danser dans les comédies musicales. On a commencé les répétitions, c'est vraiment trop bien. On va danser, on va chanter. Les enfants apportent une énergie, une fraîcheur communicative qui font vraiment du bien. Ils savent chanter, danser, jouer la comédie. Le mot d'ordre qu'on a toujours eu avec Nicolas, c'est la sincérité. Les enfants ont ce truc hyper spontané, les enfants ne trichent pas. Moi, j'ai beaucoup de passion, surtout dans la musique. Je fais de la guitare au conservatoire, du solfège, et j'adore être sur scène. Demain, Jules va avoir 13 ans et devrait partir pour le pensionnat. Non, son père va l'envoyer au pensionnat. Il ne peut plus raconter les histoires à son frère et sa soeur le soir comme il a l'habitude de faire. Et le capitaine Nemo va apparaître pour enlever Jules. Vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde est génial, tout le monde est super, tout le monde est vraiment gentil avec nous. Quand j'ai appris que j'allais jouer le rôle d'Anna, j'étais tellement contente que j'ai pleuré de joie. Paul, il fait des bêtises, mais après, il est mignon, donc on le pardonne. Moi, je fais plein de bêtises, parce que c'est mon caractère aussi. J'ai beaucoup de points communs avec Anna. J'aime bien aider les autres. J'adore les comédies musicales depuis tout petit. Ce qui est génial avec les répétitions, c'est qu'on travaille en s'amusant, on s'entend très bien tous les six. C'est un rêve qui se réalise. Je serais très heureuse de vous voir au Théâtre Édouard VII. C'est un spectacle pour toute la famille. Ça va être un spectacle magique. Oh.